drame mortal sur le tournage de quest ce gvon a fait au bon dia 3. Le conducteur, alcoolise, mis în examen. Quel quest jour sapr, c'est le terrible accident qui a co, c'est la vie. Sunt oa persoane sur le tournage du dernier volet de quest ce gvon a fait au bon dia. Un șofer, implicat dans le crash, et aparent fortement alcoolisé au moment des fights, vient de trimis în examen. Ce sună terrible, se ce? Ține chi s-est joué vendredi 23 aprilie dernier sur le tournage du Trois, s-me opus des aventures de la famille Verneuil. Alors Spiel se deplasa ient sur la de 65 dans la Vienne. Doua machiniste se ghez de 19, 47 et 49 ans sont trouve la mort et un quatri, s-me est dans un etat grave, se la suite d'un accident de la route implicant una de uxi, s-me voiture. Cam 9 la prend 20 minutes, le conducteur du second vehicule implicue dans cet accident, qui a lui aussi été amené, c'est l'hôpital apr, c'est le crash. Vient de trimis en examen dans cet bien triste affaire. Selon les informations du parquet de Poitiers, le homme en question était alcoolisé au moment des fights. Suite, ces revelations, cet artisan d'une trentaine d'années a été mis en examen ce lundi 26 avril apr, se lua ouverture. Information judiciaire or homicides involontaires avec circonstance aggravante, cam l-a pris un jurnalist de la AFP. Alcoolise et au de sus des limitations de viteză. Selon les informations glanées par les jurnalistes. Lege une conducteur a avut un taux de alcool de 0,8 gram par litre dans le sang ce soir, să et il conduis ai tau de sus des limitations de vitese prescrite sur cette route. D'apr, se le parquet de Poitiers, la voiture transportant les quatre techniciens. Present sur le tournage qui se déroule light, c'est le raut, au right grille un quai de le passage au moment de l'accident. Suite, c'est terrible accident, le tournage du film, qui devrait s'intituler quest ce gvon a tous fait au bon dia se star, c'te. Cette nouvelle production, regroupant entre autres Christian Clavier et Chantal Lauby. Estendeuile et les messages de condolences des stars du film n'ont cessé depuis l'annonce de ce terrible accident. L'actrice Frederique Belada il ursdec se dementir la rumeur selon la quale elle était présente dans la voiture au moment de l'accident.